Salut à tous, c'est Derika, j'espère que vous allez bien et c'est parti aujourd'hui pour la suite des épisodes et de l'aventure sur Shadowflight. Donc on s'est arrêté avec cette quête, donc élimine les 4 araignées et le cœur de Mania sera libéré. Donc on est reparti, donc là je pense qu'il y a la première araignée derrière tout ça, hein. Ça bouge derrière ce cocon là. Ensuite, donc on va aller voir où sont les 4 araignées puis après on fera le nécessaire. Donc il y a une deuxième ici. Et alors il y en a une autre je crois par là. Ah non, là c'était où on a été faire les... faire le tour de... pas de magie mais à peu près. Et il y en a une autre ici. Donc il y a la troisième ici je pense. On va essayer de monter par ici. Donc on a la troisième ou quatrième. Et je pense qu'après il y en a encore une petite quelque part. Mais je ne sais pas forcément où elle se trouve. Donc on va commencer par l'œuf là-haut. Hein. Et on va voir enfin ce qui s'y cache. C'est parti. Dame l'araignée, au bout de 3, veuillez l'affronter. Ah. Et le... et le 3. Il se passe rien. Alors nous brûlons vos 3 toiles, vous verrez. Ah non, je sais. Pas du tout. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir buter les 3 autres pour terminer sur celle-là. Donc je pense que ça, c'est le boss final à peu près. On va brûler les 3 toiles. Donc, ah voilà, là il y a une autre araignée ici. Il y en a une autre ici. Ah non, il y en a plusieurs en fait. Merde. Et une autre là. Non. Ah, on va commencer par celle-là. C'est parti, go! Affrontement! Donc là-dedans, il y a quoi? Donc il y en a 2. Ah oui, eux ils commencent direct, hein. On réfléchit pas. D'accord, ok, 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 c'est bon, ça va! Voilà, on nous met le tarif. Et nous on se défend. Excellent! Donc ça fait des éclairs, je crois que c'est ça. Et action, frappe. My bad, je vise la mauvaise. 92, c'est pas mal du tout. Bonus de vitesse. Défense, évidemment défense, toujours. Non. Et un... défense. Fini, joue plus lui. Lui est comme ça, le mec il a décidé non, joue plus. Non, terminé, fin de l'histoire, d'accord. Ok, 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 ok. Le soin. Boum. Action. Défense. L'autre elle joue toujours plus rapidement donc on va pas attaquer maintenant. Oulala là là, le coup critique. Oulala là 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 là. Action. Là il va falloir on va utiliser une petite potion. Voilà. La régénération. Hop. Rubella est de nouveau en forme. Parfait. La petite vulnérabilité à l'eau là. Défense, défense, on va forcément jouer avant. Petit groupe simple, hein. 2v2, ça passe, il n'y a pas de souci. Merde, interruption. Le 2v2, c'est simple, j'ai même pas besoin forcément de soigner avec... voilà, je soigne un petit peu avec la luciole. Action. Typhon, boum, bam, frappe, boum, lui renvoie de bâton, action, typhon, action, frappe, c'est parti, on défonce cette merde. Bon, je pense que là ça devrait finir. Le coup fatal,
Boum, terminé. 138, venir habiter à l'eau. 2100 d'XP. Impeccable pour Finn. Nectar d'effet concentré. Ah, ça donne les deux. PV et mana. Quel combat. Attends, vous êtes Robert. Vous avez appris des leçons. Alors que je l'ai pas joué. Hein. J'adore les cinématiques. Avez-vous déjà assisté à un rendez-vous d'affaires? Ceci n'est rien en comparaison. Il faut rappeler que Robert, c'est un marchand. Voilà. Premier combat simple, j'ai envie de dire, on a déjà fait beaucoup plus dur sur Shadow Flight, vraiment. Donc là ça ne marche toujours pas évidemment parce qu'on n'a pas libéré les trois toiles, vous comprendrez évidemment. Ah voilà, là il y a une deuxième araignée, on va les faire aussi, embuscade. Donc défense, après je vais aller jouer Robert, hein. Ah oui c'est la grosse boule à la con là. Action, défense. Je vais même changer Rubella en Robert. C'est parti, groupe Robert. Ah, action, défense. Donc lui, Robert, c'est un archer. Lui, il a tout compris au jeu. On se met en défense. Tout va bien. Action, pluie de flèches. Tir de flèche. On va voir tir de flèche ce que ça fait. Ok. Oh, ça tape pas méga fort. Action, typhon. Alors je pense que c'est typhon vraiment les attaques qui font mal à ces mobs de feu. Hein. En même temps ça paraît logique. Hein. Clément, ça rocks. Voilà, 142, ça c'est propre. Défense. Neuf, ça tape rien du tout. Alors lui il fait quoi sinon? Antidote, ça donne un... entrave, coup double. Ah, on va essayer de ça. Ouais, ouais. De toute façon, faut essayer. Hein. Vraiment. Alors, coup double, ça fait quoi? Ça tape peut-être les deux? Non, ça tape que un pourtant. Voilà, 142. Hein. Donc, ça tape tout de suite beaucoup plus fort. Et Finn est vraiment essentiel dans tous les combats, hein, les amis. Hein. Tir de flèche, voilà. Action, typhon. Voilà, on va pas s'embêter. De toute façon, c'est gagné sur le combat. Attaque physique contrée, my bad, armure, ça va être très très chaud de taper. Défine, ton of dégâts, même avec l'armure, lui il s'en fout. Il balaye tout le monde, la petite princesse Aurora, niveau 19. Et j'ai encore oublié son nom, Nora, voilà, niveau 23. Harlequin, niveau 21. Et on a trouvé une émeraude brute. Ça fait quand même pas mal de personnages. J'ignorais que c'est que des créatures telles que toi existaient à Lemuria. Ah, dis-moi plutôt combien vaut cette pipe, j'aimerais te l'acheter. Tu peux toujours rêver. Petit dialogue à chaque fois. Ah, on a des points de compétence sur Aurora. Sont elles, vu que je ne la joue pas, c'est pas très grave. Augmente les PV de 5. Protège les visées contre toutes les altérations d'état pendant 5 tours. Ça peut être pas mal. Donc on va partir plutôt sur cette voie là. Là c'était immunisation plus, mais j'utilise jamais ça. Alors, et sur Finn, qu'est-ce qu'on va aller? Donc alors, augmente les PM de 1, ça c'est pour avoir incendie plus, mais j'ai déjà incendie 2 étoiles. Défense 2 étoiles. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Typhon 2 étoiles, donc c'est typhon qu'on utilise pas mal. Efficace contre le feu. Efficace contre l'eau. On va plutôt partir sur typhon là. On va partir là-dessus. Donc on a augmenté la force de 2. Bon, je suis pas sûr que ce soit très important. Là, je vais prendre ça là. Le niveau 2 de défense. Voilà, parfait. J'ai toutes les compétences. Allez, on est parti maintenant débloquer, je pense, la troisième araignée. Qui doit se situer quelque part. Peut-être là-haut. Ah là, il y a une sorte de rat à la con là. Ça, on va buter tout ça. C'est parti, donc là on va changer. Tiens, je vais jouer Aurora pour une fois. Ça, on va jouer un peu tous les persos. Ça va être pas mal. On se protège. Et je joue toujours Finn évidemment, hein, parce que Finn c'est celui qui tape le plus. Donc évidemment, c'est celui que je vais jouer. Donc Aurora, on va voir un peu ce qu'elle a appris avec le temps. Bon, elle tape pas très fort non plus. Hein. Il y a vraiment Finn qui tape. Hein. Il y a Finn et après il y a le reste derrière quoi. Vraiment, hein.
boum, 142, vous voyez la différence. Rien ne va plus. Alors, flash stellaire. C'est vrai qu'Aurora peut taper beaucoup plus fort avec d'autres attaques. Action, donc là on va faire un petit typhon là-dessus. Mais quoi, c'est une attaque un peu bizarre. Non, 103 quand même. Non, 103 ça fait quand même mal, hein, vraiment. Bon, là on se venge sur Aurora. J'espère que lui va finir l'araignée, sinon Aurora va mourir. Parfait, on peut compter sur Finn. On peut compter sur Finn. Nectar d'effet. Il y a 50% des PV et 50% des PM. Ça, c'est pas mal du tout. Action défense, parce que le sort de loup là, il rocks pas mal là, quand même. Hein. Voilà, donc ça donne les deux. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Défense que le loup là va juste jouer. Il va taper Aurora, je pense. Hein. Même pas. Il tape pas les filles, ça c'est bien. Allez, on va faire ça. Action, on va faire. Ah, j'ai plus de points de magie. Bon, bah, c'est pas grave, on va le taper au. À coup de bâton. Boum. Ça va taper moins fort, mais c'est pas grave. Aurora a des points de magie. 38, ça tape rien. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va récupérer un peu de points de magie là. Voilà. Action, défense. Un petit typhon là sur la tronche. Histoire d'envoyer valser. Boum, 43, non, ça tape pas. Il va falloir trouver un autre sort là. Parce que c'est pas ça qui tape du tout. Boum, recule carrément. On veut pas de toi. Et incendie, qu'est-ce que ça fait? Je vais essayer de taper un peu. Ah bah non, mais il est mort, de toute façon. On n'aura pas le temps de voir autre chose. Haha. Niveau supérieur, Robert qui s'enflamme. Le style archer, j'aime beaucoup. Ravi de combattre avec vous. Pareillement, vous rejoindrez le cirque, n'est-ce pas? Nous discuterons plus tard, l'heure est à la bataille. Elle veut dire au combat. Excellent. Un coffre. Extra défense magique. Nice, je m'en sers pas du tout. Aïe. Ah. Nectar d'effet, parfait. Là, on ramasse pas mal de bonus là. Défense magique. Ah merde. Oh là là, la grosse araignée. Ah, il y en a deux. Je suis sûr qu'il y en a 3 ou 4 des comme ça. Ah. Ça va être un peu abusé. Bon, allez, on tente, c'est parti, on y va. Ah, il y en a 3 sans deck. D'accord, donc là, ça ne va pas du tout. Donc là, il faut changer. Hein. On va prendre Rubella, évidemment. Et Finn qui est un peu dans les choux. Action, 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 défense. Finn, action, défense. Obligé, obligatoire. Ah, déjà. Déjà. Action, frappe. On va les taper une par une. Hein. 49, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Action, défense. De toute façon, il va pas pouvoir taper. Les araignées vont jouer avant lui. 19, ça va. 39, ça va pas du tout. 19, merde. Finn est en PLS. Défense, on va pouvoir rejouer avant. Action, typhon là. Pour taper, faire du dégât. Soin. Faut absolument soigner Finn. Hein. Je vais essayer d'en ralentir une aussi avec la luciole. 14. Ça va pas du tout. Je pense qu'il faut faire des incendies là-dessus. Faut les brûler vifs, ces machins là. Ok, 36. Donc action défense. J'ai dit action défense. Action immunisation pour Finn. Merde, contrée là. Ça pas du tout. Oulala, qu'est-ce qui se passe? Immunisation là, ça que c'est bon. Incendie, allez, on va les brûler là. C'est parti. Voilà, ils vont tout sur l'autre vu que l'autre est immunisé. Parfait. Rubella qui prend les coups. On va voir si ça a été bénéfique ou pas. 20. Ah, mais pas du tout en fait. Mais pas du tout. Action, défense. Bon, ça ne va pas du tout.
Esquive. 49, donc je pense que c'est ça qu'on va faire. En fait, il va falloir mettre des coups normaux. Merde. Ah, ça ne va pas du tout. Ah. On prend une potion. Une potion comme ça. 49, c'est bien. J'arrive pas à taper avec. Je pense que c'est peut-être même pas avec lui qu'il faudrait que je joue. Là, il va falloir changer de stratégie, les gars. Alors, attendez. Peut-être même Nora ou Robert. Peut-être Robert là sur. Fin et groupe, on va mettre Nora à la place de Rubella. Hop, c'est parti les gars, changeons de stratégie là, on rigole plus du tout. Bam, 52 là, ça que c'est bon, ça qu'il fallait faire les gars. Ah, j'ai plus de machin collecte de vœux. Bah oui, mais j'ai plus de vœux du tout, merde. La défense, va falloir jouer sur le soin les gars. Merde, interruption. Ralentissement en plus. J'en ai toujours pas tué un hein. Là ça va être critique les gars. Quoique l'autre là elle est affaiblie hein. Elle baisse la tête là. Action, défense. Ouais, t'as plus beaucoup hein. Allez, on va essayer de finir ça. C'est solide. Protection. Lissement. Tir de flèche là. Va falloir vraiment y aller. Sur celle-là, là. Sur cette... Ah, nickel. Bon, j'espère qu'elle se réinvoque pas. Je pense pas, mais. Pas du tout. Potion. Merde, je suis. Ouais, j'aurais dû faire une défense là. J'ai pas été intelligent sur ce coup là. Pas du tout. Coup double. Maintenant il faut taper là, Robert. Hein. 71, c'est pas mal du tout. Potion. Ah merde, non, c'est pas du tout ça, c'est une potion de soin. Ah, oh, je me suis gouré, quel crétin. Voilà. Action. Plus de flèches là, on va carrément y aller. Plus de flèches, ça tape les deux alors. Ah, c'est pas. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça depuis le début en fait. Plus de flèches. Défense, on va y aller. 75 PV, ça tient bon. Tenez bon. Défense, action. Accélération, accalmie. Accalmie sur lui. Plus de flèches encore, c'est parti. On sait que ça marchait bien. Le petit ralentissement. Oulala, 33 PV, il va falloir faire attention là. La pluie de flèches. Boum. On va essayer de refaire une pluie de flèches là. Allez, petite protection. Ah, pluie de flèches deux fois d'affilée là. Boum, critique 135. Là ça commence à baisser la tête. C'est bon signe. Allez, peut-être le coup critique qui va achever. Non, pas du tout, plus de flèches encore. Ça a l'air d'être assez puissant contre les araignées ça. Oh yes, j'en ai une. Action. Et action, tir de flèche. C'est parti, go, on y va. On arrive avec plus beaucoup de PV, mais ça a passé. Allons-y. Allez, la dernière flèche, toujours pas. Oh, l'esquive. Champion du monde, Robert. Et voilà. Allez, 10 500 d'XP. On fait péter les cacahuètes. Aurora qui up niveau 20. 25 carrément, elle, 2 levels de plus. Voilà, c'est parti.
Ah, Finn. Donc Finn, pas utile sur ce combat, malheureusement. Ni, bon, Rubella encore à la rigueur, parce qu'elle, elle soigne, donc c'est plutôt bien. Et surtout, Robert. Robert, la force de Robert. Amnétiste brut, très bien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, ça fait péter une toile d'araignée. Ah. Une toile sur trois. Voilà, la première toile disparue. Donc là, il y a un petit bouclier, là. Ah voilà, j'appuie pas sur la bonne touche. Mon dieu, mon dieu. Hop. Saphir poli, parfait. Donc une araignée sur trois apparemment de battu. C'est par là, on va remonter. On redescend, merde. Donc on repasse ici. Donc par là où il n'y a rien, hein, parce que j'étais devenu de là. Donc je pense que non, c'est à droite ici qu'il va y avoir quelque chose. Ah, il y a un loup. Oh, je l'ai brain. Oh, le brain. Facile. Facile le brain, les gars. Hop, on arrive, on passe. Là, je pense qu'il y a la deuxième ici. Élixir de dégâts. Oh, elle va... oh là, je vois les pattes. L'araignée est juste là. Oh, elle est immense celle-là. Elle est encore plus grosse que l'autre. Allons-y, attaquons. Alors là, c'est même, c'est pareil. Donc il y en a toujours 3. Magnifique, on a récupéré toute notre vie. C'est magnifique, c'est incroyable. Allez, la pluie de flèches. La pluie de flèches de Robert. Bam. 71 sur chacune. Interruption. Oh, c'est beau. Robert. Oh, esquive. Robert est tellement chaud. Il est chaud, mesdames et messieurs. Robert. Robert, la folie Robert. On s'enjaille. La protection, le ralentissement de Robert. Action, accélération. On va accélérer Robert. Là, on va accélérer Robert, les gars. On est parti, on est très 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 chaud sur ce Robert. On mise tout sur Robert, les gars. Allez, c'est parti. Allons-y. Action. Action défense. On va taper avec Robert. Je vous le dis. Accalmie, on va essayer d'en refroidir une déjà. J'espère que l'autre va pas taper Robert. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Merde. On ne laisse pas jouer Robert non plus là. La pluie de flèches. Ah, c'est parti. Pluie de flèches. Boum. 71, elle danse en même temps. C'est formidable. La pluie de flèches. Encore. Oui. Oh oui, Robert, la deuxième plus de flèche. Spa. Boum. Oh là 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 là. Facile, ce jeu est simple. Ce jeu est simple. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, ce jeu est simple. Les gens étaient là. Oui, non, c'est incroyable. Ce jeu ne peut pas être simple. Plus de flèche, c'est parti. Action, voilà, on tape. On ne réfléchit plus. Les bons persos, les gars, esquive. Plus de flèche numéro 4. Boum, 71, ça tue pas par contre, ça c'est chiant. Et en plus je me protège pas, donc j'ai commencé peut-être à prendre cher là, avec les araignées. Défense. Nora, elle prend pas de risque. Hein. Défense. Robert un peu dans le mal là. Nora le kill. Nora le kill très propre, impeccable. Il y avait aucun problème. Pour cette défense là, je vais me redéfendre ce que j'ai lu là qui va m'énerver. Voilà. Donc là, groupe, on va être Rubella. Hop, comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Soin, bon, on soigne Robert. Hein. Et Robert, il nous fait une pluie de flèches. Voilà. Simple. Ce jeu est simple. Ah, puis. Lui. Boum. Ça tombe encore pas. Ça, c'est chiant, il faut quand même pas mal de coups. Boum, c'est terminé. Voilà. Le critique. Rubella, elle arrive. Elle. Le doublé, voilà, le doublé. Terminé. Et encore 10 500 d'XP, c'est formidable. On n'a même pas souffert. Aurora, encore un niveau, c'est magnifique. L'autre, encore 2 niveaux, incroyable. Finn, 2 niveaux.
Elle, un niveau pour Rubella. Et Robert, Robert monte. Hein. Robert, lui, une citrine brute. Parfait, j'avais jamais débloqué ça. Voilà, les deux araignées sur trois la débloquer. On enchaîne. Ça va sourire tout ça. Ça va être un peu un fiasco. Ça va être le bordel. Ça, je sens que ça va être le bordel. Alors, et en voilà deux. Une caisse. Un saphir poli. Alors, on va pas prendre, on va déjà débloquer les compétences. 13 points de compétences en deux combats. Alors, l'immunisation de Rubella. Voilà. Finn. Donc, Finn, j'avais dit qu'il fallait aller là-dessus pour débloquer Typhon niveau 2. Donc, on va aller là. Voilà. Donc, ça, c'est Nora. Nora. Rempart. Enchantement. Pas mal de commencer à 30% d'avoir d'action. Compétences passives. Ouais, c'est pas mal ça. Hop. Ah, Robert. Robert, force de 2. Lui, c'est un Brutos. Et après, on va monter les chances de coups critiques. Pour que la pluie de flèches soit énorme. Rayon lumineux très long, voilà. Et le bonus d'esquive. Parfait. Donc allez, la dernière araignée, on va aller la choper. En plus, je sais où elle est. Merde. Y'a pas de chance, Aurora, avec les pluies de lave. En même temps, je fais un peu ça à l'arrache. Ah oui, il va falloir le rebrain, lui. Oh, brain une deuxième fois, magnifique. Sinon ça va être encore un combat chiant. Oh là là. Comment j'ai esquivé la flamme là. Je suis trop chaud là. Alors là l'araignée là on s'en fout. Il va falloir descendre ici pour trouver la dernière. Le mec connaît le jeu. C'est parti, allons-y. Hop. Donc là j'arrive devant. C'est parti les gars. Pluie de flèches. Et là groupe, on va jouer Nora. Parce que Nora permet d'accélérer Finn. Robert. Elle permet d'accélérer Robert. Et ça c'est important. Ça Robert peut jouer très souvent. 82, tout à l'heure c'est 71. Et là Robert rejoue déjà. Incroyable. Regardez-le. Ah Robert va pas jouer avant. J'espère qu'il va pas se faire cancel. Il ne se fait pas cancel. Oh il rejoue une deuxième fois, magnifique. Boum, 82 dans la tête. Sac, c'est bon les gars. On arrive. Pluie de flèche, on va retenter. Ah oui, parfait. La troisième pluie de flèche, les gars. Boum, il y a déjà un qui est mort là. Qu'est-ce qui se passe? Ce jeu est simple. Je vous le disais. Défense. Le mec joue safe. Ça, je vais la ralentir. Pluie de flèche. Action, on tape. Hein. Boum! Ah, c'est magnifique. On se fera un cra sur Dofus là. Le Dofus game en moi. C'est parti, là on va rejouer le cra. C'est parti, on défonce tout. Plus de flèches. Flèche explosive dans le tas. Allez, hop, il est mort. Et le dernier. Esquive! Oh, le mec il a esquivé 3 flèches, arrêtez-le. Merde. Je me suis couru de sort. Bah, quel... on s'en fout de le ralentir là maintenant. C'est un tir de flèche. Et une attaque. Voilà. Facile, ce jeu est simple. Voilà, 10 500 d'XP, gratos. C'était gratos, c'était en 2 minutes. Les gars. Et là maintenant, attention. Là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, tous les personnages, hop, ça on s'en fout. Voilà, Robert, la force Robert. Tourmaline brute. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Mesdames et messieurs, toute l'étoile d'araignée sera en train de disparaître. C'est incroyable. Et... oh là là, alors là, attention, le gros méchant va sortir de sa cage. Il va arriver là sur les escaliers, même pas. Pas du tout. On va aller voir. Ah, il disait quoi? Le cœur de la montagne bat de toutes ses forces. Oui. Alors, pour faire ce gros combat, parce que je pense que ça, c'est un boss épique, on va tout simplement essayer de faire l'immunisation sur Rubella. Donc là, j'aurais pas de quoi, mais j'aurais encore un PM de plus. C'est pas... de trop je pense. Bonus de défense magique Robert, la force Robert, le coup critique, voilà, parfait, incroyable, hop, voilà. Mais l'ultime araignée est proche, l'ultime araignée les gars. Donc on nous dit clairement c'est la dernière, elle va être en haut là. Oulala, j'ai peur. Non, ça on s'en fout, c'est pas l'ultime araignée, ça c'est juste une araignée de pacotille.
Regardez là, ça bat en haut là. Ouh là 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 là, le cœur monte. Ah oui, là, d'accord. Et la suite au prochain épisode, les amis. Ah, vous allez croire que vous allez tout enchaîner comme ça, mais pas du tout. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous serez au rendez-vous pour le combat contre cette grosse araignée qui m'a l'air très très difficile et très très chaud. En tout cas, on va bien se préparer et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner bien sûr à la chaîne Laika pour plus d'aventures. Ciao à tous.